Vous souhaitez vendre votre maison, attention en immobilier, tout ce que vous pouvez dire peut se retourner contre vous. Et une des phrases qui sort de temps en temps de la part de la bouche des propriétaires vendeurs, c'est « Ah ben on a tout refait nous-mêmes ». C'est le « nous-mêmes » qui est un peu gênant dans ce cas-là, car évidemment vous éveillez la crainte des amateurs d'avoir un peu du bricolage dimanche. Ne le prenez pas mal, mais entre une rénovation faite par des particuliers ou faite par des entrepreneurs dignes de ce nom, il y a une différence. Et donc, la vente, pour bien comprendre ce que c'est une vente, c'est d'abord séduire, mais c'est aussi rassurer. Et là, vous ouvrez la brèche. L'inquiétude s'immisce dans la tête des vendeurs. Petite solution, préparez votre dossier de travaux que vous avez réalisé, qui sera votre futur DIU. Pensez à visionner la vidéo dès maintenant, car il prend du temps à être constitué. Vous préparez toutes vos factures d'achat, le bricolage, les peintures, les références des peintures, des papiers peints, enfin bref, tous les travaux que vous avez faits. Vous faites une belle petite farte. Et lors des visites, vous la déposez sur la table du salon. Et là, vous êtes dans l'effet inverse, ça rassure les acheteurs. Parce que l'on voit que vous êtes organisé, vous avez bien géré. Et un propriétaire qui sait bien gérer, c'est un propriétaire qui a pris soin de sa maison. Donc, c'est un bon achat. La psychologie est importante en immobilier. A contrario, n'attirez pas l'attention des amateurs sur ce qu'il reste à faire dans la maison. Qu'a vécu, j'ai des propriétaires qui disent, mais je me demande d'ailleurs pourquoi ils étaient là, puisque d'habitude j'interdis les propriétaires à être présents lors des visites dans leur intérêt. Ou alors c'est au compromis, voilà que les propriétaires disent aux acheteurs, ah oui, ben nous on déménage, mais on aurait voulu faire un escalier qui descend de la terrasse du séjour vers le jardin. Et dans ces cas-là, moi, je bouillonne intérieurement. Je crois que ça se voit, je ne sais pas le cacher. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire cela? Parce que, évidemment, ce serait une plus-value. Et donc, si c'était une plus-value, c'est forcément, ça dévalue votre bien actuellement. Parce qu'il n'en a pas. Et alors, l'acheteur se dit, ah ben oui, c'est vrai, finalement, le séjour ne donne pas sur le jardin. C'est quand même pas très pratique, même avec un escalier. Et hop, il est parti de nouveau dans la réflexion. Et plus dans la séduction, plus dans les émotions positives de l'achat. Essayez de ne pas attirer leur attention sur les défauts. Vous n'êtes pas là pour ça. Je le rappelle, vous ne devez pas survendre, mais vous ne devez pas attirer l'attention des amateurs sur ce qui ne va pas ou sur « je vais y arriver », ce que vous devriez faire. Un autre petit truc de pro aussi, c'est quand il y a des choses à faire, parce qu'il y a des choses à faire. Prenons l'exemple de la conformité, de la mise en conformité électrique. Vous savez que dans le cadre d'une vente, vous devez donner une attestation de contrôle électrique que souvent, hélas, l'installation n'est pas aux normes, que c'est à charge des acheteurs. Et là, la crainte majeure des acheteurs, c'est de devoir faire des saignées, que ce soit la crasse partout dans la maison. Non, essayez d'objectiver leurs craintes. Demandez un devis à un électricien digne de ce nom et remettez le devis aux acquéreurs. Parce que souvent, ils pensent qu'ils vont en avoir pour 15 000, 10 000 euros de travaux, alors qu'il y en a peut-être que pour 2 000, 3 000 euros. Donc, les amateurs ont tendance à surévaluer certains travaux. C'est important de pouvoir les objectiver en ayant préparé des devis pour certaines choses. C'était mon conseil du jour. Je vous invite à regarder les autres nombreux conseils que je mets à votre disposition généreusement dans la playlist Vendre et autres. Partagez cette vidéo avec d'autres personnes qui veulent mettre en vente leurs biens. Donnez-moi vos questions dans les commentaires ou passez-moi un petit coup de fil. À bientôt!